Bonjour. Déjà tous mes vœux pour cette nouvelle année, en espérant que ce soit une excellente année apicole. Et puis bon, en ce dimanche 2 janvier, vous pouvez constater un temps relativement doux, même très doux, peut-être par chez vous. Bon, ici il fait 11 degrés, le temps est mitigé, un peu de soleil, un peu de pluie et du vent. Mais malgré tout, les abeilles sortent et ils rentrent un peu de pollen ici sur les deux colonies. Alors, ces deux colonies que j'ai récupérées en fin d'année, c'était de mémoire en octobre, courant octobre, je sais plus exactement quand. Et pour l'instant, elles se portent bien. Bon, de l'extérieur, des rentrées de pollen dans les deux, ça veut dire que la reine a certainement repris son cycle de ponte. Bon, ce qui est normal en général, ça elle reprend son cycle vers janvier. Voilà. Il y a toujours une rupture de ponte, du moins dans la région. Vers décembre. C'est à ce moment-là qu'il faut traiter contre le varroa pour avoir un traitement efficace. Bon, après, il y a des régions où il y a toujours de la ponte. Après, avec le réchauffement climatique, il y aura peut-être de moins en moins de ruptures de ponte et une ponte permanente. Et ça favorise le développement du varroa. Donc, voilà aussi le petit point pour aujourd'hui. Donc pensez à vérifier visuellement. Vous regardez un petit peu, puis normalement vous allez voir si tout va bien. Si vous avez une ruche où rien ne sort, rien ne rentre, c'est tellement qu'il y a un problème. Et là, vous pouvez même aujourd'hui ouvrir et constater la mort de la colonie. Allez, à bientôt.